déjà fait le vaccin. Voilà, bonne journée. Ils arpentent les allées du marché en quête d'indécis. Trois ambassadeurs à la rencontre de Molenbeekois dans les critères de vaccination. Soit ils ont l'invitation à la maison et n'y répondent pas parce qu'ils ne savent pas manipuler l'outil informatique. Et donc ce sont ces personnes-là qu'on ramène en général vers la commune. Des personnes qui n'ont pas la langue aussi. Quelques mots pour informer, rassurer parfois, et puis direction juste à côté, le hall de la maison communale, un cabinet médical ouvert pour l'occasion. C'est ici qu'on fait l'injection, et puis il y a la traditionnelle demi-heure d'attente. Au total, une quinzaine de doses prévues, elles ont toutes trouvé preneur. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase test pour décider ce qu'on fait la semaine prochaine, le calibrer correctement et être au plus près des besoins des gens pour pouvoir rapprocher la vaccination de la population et arriver à augmenter nos taux de vaccination. Le but de ce test, c'est aussi d'affiner la stratégie de vaccination bruxelloise dans son ensemble. Aussi bien en termes de vaccination, mais aussi en termes de retour par rapport à ce que les gens vont nous dire. Quels sont les freins ou quelles sont les préoccupations des personnes qui ne se font pas vacciner ? En fonction des résultats, nous allons envisager de reproduire cette expérience sur d'autres marchés en région Bruxelles-Capitale. Et ce qu'il ressort déjà, c'est que la marque du vaccin administré joue beaucoup sur l'adhésion ou les réticences de la population.